Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de revue Front Populaire? Oui, c'est une idée que nous avons eue, Stéphane Simon, qui est un ami, et moi, à Télé Paris, qui est sa structure. Il y a une bande d'amis aussi, une petite dizaine de gens qui sont de cette aventure. Et avant le coronavirus, évidemment, hein, on avait le projet de fédérer les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs, simplement en disant qu'effectivement, on ne pouvait plus continuer dans la logique de Maastricht, du libéralisme, du libre-échange, de la mondialisation, etc. Et donc, on a lancé ce projet. Il se fait qu'il est devenu prêt, mûr, en plein milieu du coronavirus. Donc, on s'est demandé, Stéphane et moi, s'il fallait paraître plutôt prévu, plus tard que prévu. Et puis finalement, on a mélangé tous les arguments et on a décidé qu'effectivement, fin juin, ce serait une bonne idée. Donc, on veut effectivement, au-delà des partis, faire un programme souverainiste, un véritable programme souverainiste, hein, c'est-à-dire un Frexit, s'il faut le dire très précisément, et fédérer les idées de tous ceux qui vont dans ce sens-là, quelles que soient leurs options politiques. On n'a pas envie de savoir si les gens sont de droite ou de gauche, s'ils sont souverainistes, ça nous va. On ne roule pour personne, ni pour le Front National, enfin, ni pour le Rassemblement National, ni pour la France Insoumise, ni pour, je ne sais pas qui, du Contaignan ou M. Poisson. Philippot. Voilà, on a juste envie de rouler pour le peuple. Et il s'agit de dire, nous on est des populistes, s'il faut vraiment le redire clairement, c'est-à-dire on a le souci du peuple, parce qu'en face de nous, il y a des populicides. Un mot que Gracchus Babeuf avait inventé pendant la Révolution française, il y a des gens effectivement qui tuent les peuples. Et je pense que les peuples ont compris qu'effectivement, il y a des gens qui les tuent depuis un petit moment, y compris là, avec cette histoire d'épidémie. Quand on nous a dit que le masque n'était pas nécessaire, tout en sachant qu'il le serait nécessaire, bien sûr, mais comme on n'en disposait pas, on disait qu'il n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, ils sont obligatoires. C'est bien la preuve qu'on a exposé le peuple à l'épidémie et à la pandémie. On aurait pu dire oui, il faudrait des masques, nous n'en avons pas, c'est l'impéritie des gouvernements précédents, eh bien nous allons vous faire un tuto et puis on va vous expliquer comment en fabriquer chez vous et puis vous allez faire de telle sorte qu'on puisse régler le problème comme ça. Il y a une impéritie de l'État, une impéritie de l'Europe, bien vous allez fabriquer les masques, ce qui s'est fait évidemment, mais des mois plus tard, donc beaucoup trop tard. Donc nous avons l'intention de dire sur toutes les plateformes, que ce soit la question de l'éducation, de la pédagogie, sur la question de la police, de l'immigration, sur la question de la culture, nous avons envie de brasser les idées. On va faire une plateforme qui nous permettra d'être un parlement des idées, un parlement perpétuel, qui permettra de faire remonter les idées. Je pense que si les agriculteurs, les viticulteurs, les médecins ont des choses à dire, ils interviendront sur le site, on fédérera tout ça pour faire de telle sorte qu'on puisse proposer un programme souverainiste qui pourrait être utilisable ou utilisé par quelqu'un qui se présenterait au présidentiel, au prochain présidentiel, pourvu qu'il ne soit pas issu des partis politiques, mais de la société civile.